retournement à la Santa Barbara. Salut, salut les timbres du FTD. C'est XFTD, Xatras. Aujourd'hui, on va parler des musculations. Petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, je commence à sculpter un petit corps de dieu grec, hein, un peu bronzé. Et je voulais vous partager un peu mes astuces. Non, je déconne, on va parler de FPV, calme-toi. Je vois que tu commences à cliquer sur le bouton pause là. Calme-toi, je rigole, on va parler de FPV. On va parler de quoi aujourd'hui? Tiens-toi bien, mon petit copain. Parce qu'on est pote, toi et moi, tu vois. Donc, t'es mon poteau, quelque part. Tu vois, j'ai envie de te parler comme je parlerais à. Ça me touche tellement hein, de te dire ça que tu vois, je commence à balbutier, à bégayer comme un bègue russe. Bref, on va parler donc de bricolage vidéo, pour l'instant centré sur les FPV. Et pourquoi pas au fur et à mesure de la vidéo, je sais pas, au fur et à mesure des humeurs, s'élargir un peu sur la prise de vue en général, la prise de vue de sport extrême, la prise de vue de ce que tu veux, voilà. Mais je m'égare encore une fois, je pars en sucette, merde. C'est quoi déjà? Oui, voilà, c'est ça, je voulais vous parler de ce petit accessoire là. Comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la swivel cam dont je me sers en FPV pour faire des plans autour de mes quads. C'est très très simple en fait, ça se compose tout simplement d'une tige de carbone. Alors ça peut être une tige en bois si tu as du bois, ça peut être une tige en peau de yak si tu veux, on s'en fout de la matière de la tige, du moment que c'est une tige qui est solide, rigide, au bout duquel j'ai attaché une monture GoPro, hein, qui est là. Bon alors, j'ai bricolé un petit support là, que j'ai imprimé en 3D. Bon après, faut trouver une astuce hein, pour coller ça sur ta tige. Tu peux tout simplement prendre une monture GoPro et la coller à la cyano, par exemple, ou à la colle chaude. Ce que tu as sous la main avec des riselants, pourquoi pas. Il y a plein de solutions possibles. Je vais juste vous expliquer l'idée générale du bricolage. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez le faire avec ce que vous avez sous la main. C'est pas compliqué, il faut juste comprendre le principe de la chose. Donc, je disais donc, une tige rigide, en n'importe quelle matière, réussir à accrocher une monture GoPro de manière à ce qu'elle puisse, enfin GoPro ou Foxirbox ou comment ça s'appelle, Runcam 3 ou ce que tu veux, ce que tu as sous la main. Bref, et donc il faut trouver une monture qui soit inclinable. Voilà, comme ceci, je peux l'incliner pour ajuster mon angle de prise de vue. Et ensuite, au niveau du centre de la barre, il faut. Alors moi, j'avais un moteur, parce que j'explose beaucoup de matos. Donc j'explose notamment des moteurs. J'avais un vieux moteur qui était foiré en fait. C'est les bobinages, je crois, qui sont foirés. Du coup, il était plus bien aimanté, il foirait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré. J'ai enlevé tous les aimants. Hein, je les ai fait sauter avec un tournevis. Petit tournevis, coup de marteau. J'ai fait sauter tout ça pour que le moteur puisse tourner librement. Et ça me donne un axe rotatif fluide. Hein, voilà, qui tourne sans encombre, sans être freiné par les aimants ou quoi que ce soit, et surtout que ce soit fluide et un mouvement continu. Voilà, sur lequel j'ai fixé ma tige. Vous voyez le bordel. Ensuite, j'ai trouvé une colonne, une manière de fixer ce moteur sur un support que vous allez strapper autour de votre quad. Sur le dessus, quand même mieux. Ça peut le faire aussi en dessous. Hein, si je prends mon quad là, c'est vrai que moi la plupart du temps je fixe mon support là au-dessus de la batterie pour que ça puisse tourner comme ça. Vous pouvez très bien le fixer si vous voulez en dessous et faire un plan du quad plus en contre-plongée plutôt qu'en plongée. Voilà, après c'est à votre convenance hein, selon les plans que vous voulez réaliser de votre quad en vol. Voilà, voilà. Donc voilà, trouvez un support que vous mettrez, que vous fixerez au-dessus par des straps ou des riselants ou ce que vous voulez de votre quad. Et enfin, regardez-vous. Voilà. Pour équilibrer le tout, parce que comme vous pouvez le voir, il y a plus de longueur du côté de la GoPro que du côté arrière du système. Donc pour l'équilibrer, en fait, c'est le principe du Steadicam. Pour que
la tige ne tourne pas que dans le même sens ou reste coincée dans une position. Il faut que le système soit équilibré. Donc ce que je fais, c'est que je mets une vieille lipo en contrepoids. Ça peut être autre chose. C'est vrai que mettre une lipo comme contrepoids, c'est pas très malin, parce que si jamais elle se perce, ça peut se transformer en espèce de feu de joie volant, circulaire autour de votre quad. Ah, ça peut être très beau à filmer au ralenti, ça. Ça peut être très très beau. Mais c'est un peu dangereux. Bon, trouver un autre contrepoids. En tout cas, moi, pour l'instant, j'utilise ça. Hein, et je vais prendre ma GoPro. Le principe, c'est comme quand on équilibre un Steadicam ou une nacelle gyro stabilisée. Voilà. Bon, je fous ma GoPro normalement ici. Si elle veut bien ça. Tu pouvais bien rentrer, s'il te plaît, pas me casser les. Bref, voilà. Et en fait, le but, c'est d'équilibrer la position de la GoPro et du contrepoids pour que quand on met le système sur le côté, vous voyez, ça reste en équilibre. De cette manière-là, votre quad va pouvoir voler. Vous pouvez faire du yo, du roll, ce que vous voulez. Et en fait, la tige va tourner librement, mais très lentement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tourner dans un sens parce que ce sera déséquilibré. Vous allez avoir des beaux plans fluides de votre quad. Et ça, c'est important. Le côté équilibrage de la chose. D'ailleurs, c'est pas très, très équilibré. Plus ou moins, parce qu'il y a un système de balancier, vous voyez. Là, on est bien. Vous voyez ? Là, on est bien parce qu'on aura des mouvements fluides autour du quad. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, voilà le principe de ce petit outil que j'utilise pour faire certains plans de mes quads chéris. Je trouve ça vraiment cool comme système. Alors, d'où ça vient ? Parce qu'au final, ce système-là, celui que vous voyez, là, qui est dans ma main, c'est pas le premier que j'ai bricolé. Vous savez, moi, je suis passionné de sport de glisse, de sport extrême. Je fais du mountain board, du kitesurf, du dirt surfer, je fais du skate, je fais du freeboard, je fais du snowboard, j'adore les sports de glisse. J'ai toujours aimé la vidéo, c'est mon métier d'ailleurs, et j'ai toujours aimé faire des vidéos de sport extrême. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de trouver des accessoires vidéo, de bricoler des systèmes de fixation de caméra pour avoir des prises de vue inédites. Des prises de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les vidéos habituellement. Et j'ai commencé donc à fabriquer ce système de chivette il y a peut-être 4-5 ans. Et je l'ai fixé sur mon casque quand je faisais de la descente. Ou du deux roues, ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça donne des plans vraiment immersifs, vraiment, vraiment intéressants. Et voilà comment j'ai bricolé ce système la première fois. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas l'adapter au quad. Et pourquoi pas même en faire un géant à mettre sur une voiture de drift par exemple. Ce serait pas mal ça. Ça me donne une idée. Je pense que dans les prochains mois, on va coller un bordel géant comme ça de 3 mètres avec une caméra de cinéma au bout pour faire des plans circulaires autour d'une voiture qui drifte sur circuit. Ce serait pas mal, non ? Hein ? Pas mal. Et voilà. Pas mal ça. Enfin bref, en tout cas, je vous ai présenté le principe du Swivelcam. Adapté ici pour les FPV. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle taille, à n'importe quelle utilisation, que ce soit foutre sur un homme, sur un animal, sur une voiture RC, sur un quad, sur un vélo, ce que vous voulez, une moto, bref. Mais en tout cas, voilà le principe du Swivelcam. Ça donne vraiment des plans intéressants, un peu hors du commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Eh bien, écoutez, dans une prochaine vidéo de bricolage de matos de prise de vue, je vais peut-être vous parler de ce buggy qui est derrière, ce gros buggy en 5e qui était à la base une HPI Baja 5B. Oh putain, c'est lourd cette connerie. Une HPI Baja 5B thermique que j'ai transformé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du bordel. C'est immense. Ça fait presque 1 mètre de long. Ça pèse son poids. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 10 kg, si c'est même pas plus. À mon avis, c'est plus. Et en fait, je l'ai transformé donc en électrique, parce qu'à la base, c'est une voiture thermique. J'ai fait un système d'amortissement, que vous voyez là, pour pouvoir mettre des grosses caméras et un stabilisateur gyroscopique pour pouvoir suivre des véhicules ou des personnes. Donc des motos, des voitures, des véhicules, des gens qui courent, qui font des acrobaties, bref. Et avoir des plans gyrostabilisés au ras du sol et à très haute vitesse. Voilà.
Donc, je vais peut-être vous parler de la construction, de la conception de ce truc-là, et de vous expliquer pourquoi je l'ai fait, et vous montrer ce que ça donne comme plan. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et l'écoutez, je vous encourage à le faire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu, à partager la vidéo éventuellement, en parler autour de vous, et surtout, encore une fois, comme d'habitude, hein, j'arrête pas de vous le rappeler, je ne cesse, les amis, de vous le rappeler, si vous avez une suggestion, un commentaire, une question, ou si vous voulez juste parler, les gars, si vous voulez juste parler, eh bien, ajoutez un commentaire dans la section en dessous. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, sur Snapchat, hein, il y aura des liens juste après. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, voilà, pour qu'on reste connecté, qu'on fasse ensemble une grande communauté dans laquelle on peut s'amuser, voler, découvrir, évoluer ensemble. Voilà, ça serait important, l'évolution, quelque part. Donc, les petits cocos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne je sais pas quoi, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, et je vous dirai à très bientôt. Tout simplement, voilà. Allez, à toutes. Et ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai tout dit, là. J'ai tout dit, putain.